Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo unboxing avec Yoga de Tsume. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une vidéo au format court, tout simplement parce que je suis rentré, que c'est pas les vidéos qui m'ont le plus plu à proposer tout simplement sur la chaîne. Je pense que vous également, c'était pas vos préférés. Donc on va se retrouver pour un format à l'ancienne et également live demain, que, pour ceux qui se rappellent de Julien les gars, on va rouvrir des statues en duo. Mais là pour aujourd'hui, du coup Yoga de Tsume que je devais faire de base en format court, donc je vais vous mettre le zoom, statue, etc. juste après. Mais on reviendra avec des photos ici pour en parler parce que je trouve ça plus sympa et je me suis dit à une semaine près que je préférais faire comme ça. Donc voilà les gars, si ça vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Et je vous laisse directement avec les zooms de la statue. A tout. Et re les gars, j'espère que du coup la statue vous aura plu. Vous avez vu qu'il n'y a pas 50 000 pièces à mettre. C'est assez sympathique, je dois avouer. Tout simplement parce que ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas très dur. Le seul truc à la rigueur un peu plus compliqué, c'est si vous mettez sur un plateau tournant. Le moment en fait où vous avez tout simplement le socle noir et que vous venez mettre la base dessus, ça peut tourner. C'est le seul truc chiant. Après, tout rentre super simplement les gars. Donc, on va commencer sur la statue. Premièrement, le socle de glace. Vraiment magnifique. On a des dégradés de couleurs avec un peu plus clair, un peu plus foncé à certains endroits. Le côté LED apporte vraiment une touche de fou sur le socle. J'espère que j'aurai pu vous montrer toutes les séquences. On en a une où ça ne bouge pas. Une où tout simplement ça va bouger un petit peu plus doucement, tout ça. Et une où vraiment ça te fait un effet avec du côté un peu plus turquoise sur les côtés. Ça remonte en fait au niveau du signe et tout ça. Qui est vraiment une que j'adore réellement. Bien sûr, c'est sur secteur. Donc ça c'est cool si vous avez des prises connectées, etc. Vous pouvez vous en servir. Et pour ceux qui n'ont pas et qui peuvent seulement faire avec le bouton. Au moins on a le bouton sur le devant. Vous avez juste à enlever le petit logo Yoga et le bouton est juste là. C'est quand même assez cool d'avoir pensé à ça. Donc voilà pour le socle. Vraiment par contre on a une base super imposante qui vient vraiment prendre une ampleur de fou au niveau de la glace. Moi je sais que j'adore. Mais après ce qui rajoute vraiment une touche et qui est le principal entre guillemets de la statue, c'est vraiment le signe qui est super beau. On a une très belle résine transparente, pas de bulles, des beaux dégradés de couleurs. On est vraiment sur un peu plus, comment je pourrais dire, blanchâtre cristal sur le milieu du signe, et notamment sur la tête, et un peu plus violacé sur les côtés. On voit que, tout simplement, la glace un petit peu reflète dessus, et notamment quand on met les LED, ça rend vraiment super bien ce petit côté un peu violacé sur le bord des ailes, etc. C'est vraiment magnifique, personnellement, j'adore. Ensuite, on passe au personnage. Alors du coup, je sais qu'au début, la tête de Yoga, certains ne leur plaisaient pas trop au moment de la précommande. Je pense que ça a été remodifié, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, là, moi, personnellement, je la trouve vraiment très très bien. On n'a pas ce côté bouffi ou autre. On a un Yoga avec, du coup, sans bandeau qui était au niveau de la glace. Vraiment très très cool. Et on ressent également, tout simplement, au niveau de l'armure, qu'ils ont beaucoup joué, en fait, sur les couleurs et sur le côté glacé qui va venir un petit peu... Comment je pourrais dire, rendre plus clair toutes les couleurs de l'armure, son pantalon, etc. On sent que vraiment la statue est là pour... ils ont voulu jouer avec les couleurs et pour moi c'est un pari vraiment super réussi. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je peux que vous conseiller cette Yoga qui en plus n'est pas super chère. Je crois qu'en ce moment tu peux la trouver prix d'origine facilement. Voire j'en ai vu certaines un petit peu en dessous du prix d'origine sur les groupes Facebook les gars, donc n'hésitez pas à regarder, ça peut toujours être sympathique de l'avoir pour un prix moins cher et toujours aussi neuf. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine. Pourquoi je dis on? Parce que ce sera sûrement une vidéo avec Julien les gars.
J'espère en tout cas que le retour des vidéos comme ceci vous plaira. Et moi, je pense que ce sera quoi comme vidéo? Je pense que ce sera PC House de Groudon. Tiens, bah, je vais vous faire un petit peu la petite liste parce que j'ai pas mal de statues du coup qui se sont accumulées que j'ai pas pu faire en vidéo. Donc, vous aurez Gengar de Crescent Studio. Vous aurez également la Ectoplasma, donc Gengar aussi, mais de PPAP. PC House Groudon, PPAP avec du coup les super anciens. Sur les Hades Zodiacos, j'en ai une qui est arrivée ici. Kami Hearts, et oui, du Kami Hearts, les gars, la Megazord. Également la Bête du Rêve de Casca de Primoine dans Berserk. Deux Ikigai, Jellal, Natsu. Nanashi et Belaf qui étaient du custom et Canon. Bref, je dois oublier quelques trucs les gars. Je sais pas du tout dans quelle ordre ça va arriver. Mais voilà un petit peu ce que vous retrouverez prochainement. On se retrouvera bah, tous les mercredis soirs du coup 18h sur la chaîne. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Et je suis content de vous faire des petites vidéos comme ça. Donc j'espère que ce sera aussi votre cas. Allez, salut!